On fait tout pour que ce soit avant 11h. Pour moi, il n'y a que... C'est vrai. Ils ont même fait un... On a déjà fait la tour.
On paye le sol un peu. Après, ça va de marcher. Il y a une mesure de chance, et après il y a une mesure de vraiment moyenne. Il sera un canal de l'établissement. En fait, pour l'instant, c'est une mesure de chance, c'est une séparation. Ça va être Thank you.
Vas-y. Le président souhaite, c'est l'instruction qu'il nous a donnée. Oh. Monsieur le ministre, regardez par là. Monsieur le ministre, regardez par là. Que tout soit fait pour sortir de la tribulation. Tout soit fait pour rendre la situation de tout. Tout soit fait pour que des aménagements soient menés de manière que nos pays. Marchand puisse avoir des stands propres où ils peuvent vendre les fruits. Tout ceci donne à les jeunes de l'artisanat de s'installer de manière confortable, mais en sorte de. Donc, c'est le point de départ de ce programme d'abord. On a ça aujourd'hui. En fait, ce n'est pas pour le programme. Le président va introduire un programme d'immigration. Le projet national. Faites attention à ce qu'il va faire à partir du 8 décembre jusqu'à la fin décembre, qui va embrasser l'essentiel des grands axes qui font problème aujourd'hui et qui concernent un programme d'investissement financé. Je ne parle pas de projet, financé, bouclé. 2 milliards de dollars. On va commencer à partir du 8 à poser les pierres, premières pierres sur tous ces projets. Ensuite, en début d'année, le président de la République va pouvoir organiser une conférence nationale sur le social pour que, au plus profond de la ville, les sous-préfectures et les villages, chacun se retrouve dans le développement social qui est l'entreprise pour la Guinée, dans le point de départ. Merci, monsieur le ministre. As-tu constaté que Carrefour cause a été impraticable, le camp Carrefour, à Anta et à Madina, beaucoup d'endroits qui n'avaient pas fait l'objet de dégagement, d'enlèvement d'ordures depuis un certain temps. Donc l'opération d'assainissement a recommencé aujourd'hui. Donc on espère qu'on va aller très vite pour que la capitale puisse à nouveau respirer. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a déjà un appel d'offres qui a été lancé, un appel d'offres international qui a été lancé par l'ANASB, l'agence qui a en charge ces questions d'assainissement. Notre rôle en tant que gouvernement, c'est de venir participer à cette journée citoyenne et pousser une dynamique pour que chacun de nous comprenne que la question d'assainissement est la question de tout le monde et que ce n'est pas réservé seulement au gouvernement, au gouverné, à toute la population, nous devons nous impliquer. Et à côté de cela, nous avons lancé le programme, un vaste programme de réfection et d'aménagement de la voirie de Conakry. Et ce programme va s'étendre sur 3 mois. Il concerne les artères principales. C'est le pont 8 novembre au kilomètre en 6, le pont 8 novembre à Kaguelé en passant par la route de Prince et de Hamdallah jusqu'à Sonfonia. Notre souhait est qu'à travers ce programme, que la chaussée soit totalement réfectionnée, au-delà de mettre seulement de boucher des trous, passer une nouvelle couche de bitume après avoir scarifié, mettre une nouvelle couche de bitume pour permettre à ce que la route soit plus circulaire. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes partent. Tout le monde l'a constaté, nos routes sont mouillettes. Donc nous allons profiter à l'occasion de ce vaste programme pour que nos routes partent, donc avec la signalisation horizontale et verticale. Nous allons aussi, au niveau des différents carrefours, poser des balises pour permettre à ce que les véhicules aient leur couloir quand ils viennent,
parce que nous constatons beaucoup de pagailles au niveau des carrefours, surtout avec les transports en commun. Quand quelqu'un veut déposer des passagers, l'autre qui se met derrière se met en biais, donc crée un embouteillage infernal. Donc nous allons mettre des balises le long des carrefours pour permettre à ce que les gens restent dans leur couloir jusqu'à ce qu'ils quittent le carrefour. L'objectif étant qu'au finish, nous ayons une ville plus attrayante, que nous ayons des voiries plus propres, plus assainies, et au niveau surtout des différents marchés que les artères principales traversent, que des murs mitoyens soient érigés afin d'éviter l'envahissement de la chaussée par les riverains. Voilà en gros ce que nous allons mettre en place, et le long de ces artères, des bacs à ordures seront installés, et nous allons promouvoir, sur l'instruction du chef de l'État, le président Alpha Condé, et le premier ministre, Dr. Kassolo Fofana, nous allons faire en sorte que l'emploi des jeunes soit au cœur de ce vaste programme, pour pérenniser en tout cas la propriété que nous allons obtenir à la fin de ce programme. Monsieur le ministre, il y a un espace qui était en cours d'aménagement, vous avez demandé à ce que ce soit démoli. Quelle est la raison? Écoutez, la raison est très simple. Vous-même, vous voyez comment au beau milieu d'un giratoire, pour des raisons de sécurité déjà, on peut construire des cases, ne serait-ce que pour la vie des personnes qui seront tentées d'y aller. Vous imaginez un carrefour à la descente du camp Alpha Air, que un camion le frein lâche, ben, c'est notre responsabilité. Donc nous avons tout de suite demandé à ce que toutes les occupations anarchiques soient totalement enlevées, déguerpies, pour qu'enfin la chaussée puisse respirer et que nous puissions veiller à la sécurité des citoyens et des usagers. Ça, c'est notre responsabilité, ça, c'est notre rôle. Et le ministère des Travaux publics va y veiller pour que l'envahissement de la chaussée cesse. Monsieur le ministre, vous voulez dire que le tronçon Sonfonia Kabelin va finir dans 3 mois? Sonfonia Kabelin, nous avons eu l'entrepreneur qui est en charge de ce tronçon. Nous donner des garanties que le tronçon, la première partie du tronçon Sonfonia Kabelin sera terminée. Donc nous osons croire et nous allons mettre toute la pression qu'il faut pour que ce travail aussi soit fini. Le travail n'a que trop duré, il faudrait qu'on en finisse avec. Et ce programme qui est en cours voudrait que l'on puisse rentrer en Conakry, ressortir de Conakry sans beaucoup de problèmes. La frustration que nos populations généralement ont, c'est que nos populations, quand elles quittent leur domicile pour aller à leur lieu de travail, généralement c'est 1 heure d'embouteillage, 2 heures d'embouteillage. C'est inacceptable, et nous pensons qu'une capitale qui se veut moderne, là où l'économie doit encore respirer davantage, très dynamique, nous devons nous assurer que la mobilité urbaine soit totalement prise en compte. Merci. Yeah.